Donc, je m'appelle Yann Barthès, je suis savoyard et haut savoyard, je suis journaliste, d'abord à ITL, puis à Canal+, au Grand Journal, au Petit Journal, et ensuite à Quotidien sur TMC, que j'incarne avec une équipe depuis 2016. Je suis également co-gérant de la société de production indépendante Bangoumi, avec Laurent Bon, qui est ici, et Elodie Bernard. Vous avez également demandé à interroger Julien Belvert, avec qui je travaille depuis 7 ans, il est ici. Alors j'ai juré de dire la vérité, toute la vérité, donc je ne vais pas vous dire que je suis ravi d'être là. Ma question est assez simple, Monsieur Barthès, combien gagnez-vous? Quelle est votre rémunération TF1 et Bangoumi? Et quel est le chiffre d'affaires de la société Bangoumi? Vous n'êtes évidemment absolument pas obligé de nous le révéler, mais je vous pose la question très librement. Monsieur Barthès, Monsieur Bon, si jamais c'est un élément que vous ne voulez pas communiquer, il est possible de nous communiquer par écrit et après on le communique à l'ensemble des membres de la commission seulement. Hein, c'est possible aussi. Oui, c'est ça. Eh bien, on fait ça. C'est effectivement une possibilité qu'on a demandé à d'autres. Et donc, déjà, vous suivez Eric Zemmour dans le quotidien? Non, on ne l'a jamais reçu. Je pense qu'on ne le recevra jamais. Pourquoi? Parce qu'on ne reçoit pas les personnalités de l'extrême droite. Aucun. Aucun. Vous n'avez jamais reçu Marine Le Pen? Jamais. C'est pas très démocratique. Bon, on n'est pas un service public, hein, vous le savez. On est sur une chaîne privée. Donc, on fait un petit peu ce qu'on veut. Yeah.